Bonjour Gilles Verlan. Bonjour. Alors à part ce livre, Gilles, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je pense que les téléspectateurs vont avoir une overdose. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qui... Non, là je voudrais vous demander une chose, c'est que David Bowie, c'est votre idole, je crois. C'est vraiment une idole. Oui, oui, on peut le dire. Mais enfin, je suis fan, mais enfin, j'essaie d'avoir une distance par rapport à l'intéressé. Pas un fan inconditionnel. Non, je crois que dans ce bouquin, j'ai essayé d'avoir une attitude critique, parce qu'il a fait des bêtises dans sa carrière. Oui, il a fait des bêtises, comme tout le monde. Alors j'ai essayé de le critiquer quand même, oui. Mais n'empêche. Mais je crois que ça se voit d'ailleurs, que vous n'êtes pas vraiment un inconditionnel du personnage. Je crois que c'est fait avec énormément de précision, avec un certain recul aussi. Merci. Mais une question que je me pose, mais je ne vous fais pas du tout de compliment gratuit, je crois que je le pense vraiment. Et une question que je me pose quand même, c'est si, bon, c'était votre idole, mais si ça n'avait pas été votre idole, est-ce que vous avez une bonne raison pour avoir écrit ce livre, mis à part le fait que vous en êtes un fan? Comment dire? Mais d'abord, la base du bouquin, c'était que je devais faire un mémoire à l'université. C'est une anecdote complètement stupide. Et c'était un bon sujet parce que Bowie a été de tout temps un manipulateur des médias. Ouais. Et alors, en tant qu'étudiant en journalisme à l'université, j'ai pu l'approcher donc, sur ce plan de la manipulation. Oui, uniquement sur ce plan de la manipulation, car vous n'avez jamais rencontré Bowie. Oui, c'est ça le plus stupide de toute l'histoire, c'est que je ne l'ai jamais rencontré. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Oui. Loin de là, j'ai... Enfin, c'est peut-être mieux, je crois qu'on risque d'être déçu. Cette fois, j'espère quand même le rencontrer un jour. Je lui ai envoyé mon livre, il n'a pas encore dit ce qu'il en pensait. Ah, il ne vous a pas encore répondu. Je crois qu'on va voir de toute façon des extraits de quelques clips ou qu'on va entendre de la musique de Bowie, mais donc vous ne m'avez pas expliqué. Pourquoi Bowie? Pourquoi lui et pas plutôt un autre personnage? Il y a plein de personnages dans la musique. Parce que dans le domaine du rock, je crois, c'est un stéréotype de le dire à propos de Bowie, mais c'est celui qui a réussi le mieux au cours de sa carrière de synthétiser des multiples influences qui lui viennent autant du cinéma, du théâtre, que de tous les mouvements musicaux qu'il y a eu au cours des 20 dernières années. Oui, alors justement, à propos de cinéma, les films que vous avez de Bowie, à part L'homme qui venait d'ailleurs... Oui. Il y a eu un autre film... Just a Gigolo, qui n'était quand même pas vraiment... C'était plutôt un navet. On peut le dire. On peut le dire. C'est plutôt un avis. Mais une autre expérience de cinéma, enfin qui est associée au cinéma avec Bowie, c'est ses vidéos qu'il réalise lui-même maintenant. Oui. Et la vidéo qu'on va voir dans un instant, chez toi, c'est entièrement signée. Je crois qu'on vient d'en voir un bout. On vient d'en voir un bout. D'ailleurs, il avait une formation, car maintenant que j'ai lu votre livre, on a beaucoup de précisions sur la carrière de Bowie, sur son évolution, sur l'historique presque du personnage. Dans les années 60, il a eu une formation. Par mois. Pratiquement. C'est pas semaine après semaine, ni heure par heure, mais c'est presque mois par mois. Mais la première formation qu'il a eue du théâtre, du cinéma, c'était avec un grand mime anglais qui s'appelle Lynn Secker. Oui, c'est ça. On va d'ailleurs bientôt revoir à Bruxelles. Ah bon? Oui, bien sûr. Racontez-nous ça, pourquoi? Eh bien, Lynn Secker va revenir bientôt en Belgique pour son spectacle Flowers, qu'il va donner à l'ancienne Belgique. C'est ça. Alors, pour regrouper tous ces renseignements en bon étudiant, puisque c'était un mémoire à l'origine, ce livre est en fait un mémoire de l'université Romagné. Oui, c'est ça. Je l'ai quand même rendu un tout petit peu plus rock'n'roll dans le... C'est ça. Et en tant que bon étudiant, vous allez nous citer vos sources. Ah oui. Je crois que ça, c'est vraiment nécessaire. C'est d'une telle précision et il y a un tel foisonnement de détails que vous avez dû consulter. Ça a dû être un travail de titan. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu chez un grand ami à moi qui est un journaliste qui s'appelle Bert Bertrand, tout le monde connaît. Oui. Et je me suis rendu dans son grenier qui est bourré de vieux journaux anglais et américains. Oui. Et j'ai simplement feuilleté toute la presse depuis le début des années 70. Et j'ai collationné toutes les informations sur Bowie. C'est ça. Un travail de titan. Un travail de titan. On peut le dire. On peut le dire. Alors vous dites dans votre livre que Bowie est un généraliste, ça veut dire quoi ça? Eh bien c'est justement ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il parvient à piquer des influences un peu partout et à les synthétiser avec son propre talent et les rendre tout à fait personnelles. C'est ça. Sans quoi il est sans doute génial. Je me rappelle d'une phrase, c'était d'ailleurs la dernière de votre livre, Bowie est indispensable à nos vies, il est outrageusement unique. Est-ce que c'est pas un peu poussé ça? C'est un peu pédant. Mais il est unique, non? Il n'y en a pas deux? Oui, non, il n'y en a pas deux, c'est vrai. Mais... Mm-hmm. C'est vraiment l'idolâtrie là. Non, mais c'était une bonne conclusion. C'est vrai, c'était une bonne conclusion. Alors ce livre sur David Bowie par Gilles Verlan, c'est le premier d'une longue série ou bien... Je ne sais pas, non, pour l'instant c'est le seul. Mais il sera peut-être question. Il sera peut-être question. On va voir. On ne peut pas nous livrer encore en première l'éventuel personnage. Non.
Non. Mais non, parce que c'est encore très très imprécis. Mais il est possible qu'il y en ait un autre. Il est possible, tant mieux. Ce serait vraiment extraordinaire. Donc, voilà. David Bowie, portrait de l'artiste en rockstar, signé Gilles Verlan. Donc, vous le voyez, le livre est là, à côté d'un disque d'ailleurs que vous nous avez apporté, Gilles, et qui va être un des prix de ce concours Club Jeunesse du Crédit Communal, car nous allons y retourner. Nous il y aura 10 bouquins et 15 albums de Bowie. C'est ça. En plus de. En plus de la superbe chaîne, les disques de Yannis Yann, de Genesis et tout le monde. Mais je voudrais d'abord que vous posiez la question, puisque c'est Gilles Verlan qui va imaginer la question sur David Bowie. Alors accrochons-nous. David Bowie aura-t-il assez de Cosmogol 999 ? Non, la question pour le concours est celle-ci. Quelle est, mais attention, il y a une colle, la date du dernier concert de David Bowie à Bruxelles ? C'était à Forêt Nationale il y a quelques années. Il a fait en fait deux concerts, donc la question porte sur la date du dernier. Donc il a fait un concert deux jours de suite. Oui. C'était la dernière fois que Bowie est venu à Bruxelles faire Exactement. Un concert. C'était il y a quelques années, on n'en dira pas plus. Non. Quel était ce dernier jour, hein? Donc on précise bien le dernier jour. Alors voilà, vous nous envoyez...